dans le Pas-de-Calais. Son Excellence Gilles Thibault, ambassadeur de France. Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et soyez le bienvenu. Merci. Veuillez prendre place. Alors nous avons abordé avec le président beaucoup de questions différentes. Le président a commencé par me présenter ses félicitations et celles du Cameroun pour la victoire de la France à Moscou. Donc nous avons échangé à ce propos et je lui faisais remarquer combien, en l'occurrence, c'était intéressant de voir que cette équipe s'était fondée sur des valeurs de solidarité, de défense de l'intérêt général, de promotion de valeurs, d'engagement, et que c'est ainsi qu'ils avaient atteint le toit du monde. J'étais également fier de lui faire remarquer qu'en 1998, l'équipe championne du monde, c'était l'équipe Black, Blanc, Beurre, et qu'en 2018, c'était l'équipe de France, car tous les joueurs, sans exception, se sont revendiqués comme Français, sans rejeter leurs origines, quelles qu'elles soient, mais d'abord comme Français, et ils chantaient tous la Marseillaise. C'est un bel exemple qui montre que la réussite collective naît de l'union plutôt que de la désunion. Et vraiment, le président a suivi, comme les Camerounais, avec beaucoup d'intérêt, cette compétition. Nous avons aussi échangé sur une initiative du président Macron de convoquer le 12, 13 et 14 novembre un sommet pour la paix à Paris, au lendemain des festivités du centenaire du 11 novembre 1918, où il sera question d'union, de réflexion à un moment où il y a des forces de désunion qui s'exercent également dans le monde. Il y a des gens qui se replient sur eux-mêmes et qui remettent en cause des règles et des traités internationaux, alors qu'en réalité, on le sait bien, le progrès ne vient que de l'entente entre tous les peuples. Il a été aussi question de la situation du Cameroun dans son combat contre Boko Haram, où des progrès remarquables ont été réalisés, mais avec le retour de la saison des pluies, une vigilance accrue s'impose. Des difficultés que connaît le Cameroun dans la région Est, liées aux problèmes en Centrafrique. C'était l'occasion pour moi de souligner toujours la qualité de l'accueil dont bénéficient au Cameroun les réfugiés centrafricains et nigériens. Nous avons également abordé dans le domaine de la sécurité collective le travail qu'effectue la marine camerounaise dans le golfe de Guinée pour le sécuriser, et puis des questions aussi de lutte contre la traite des êtres humains, où le Cameroun fait un travail exemplaire. Et sans surprise, nous avons longuement échangé sur la situation au nord-ouest et au sud-ouest. J'ai redit ce que la France dit de façon constante, que ce qui est très important, c'est que tous les Camerounais ensemble s'engagent pour la paix. Ce qui fait la force et la qualité du Cameroun, c'est sa diversité et de longue date la capacité de tous les Camerounais à vivre ensemble. Ces valeurs-là ne doivent pas être perdues de vue, et la paix, qui est notre bien le plus précieux, Shakespeare disait que c'était le lait de la tendresse humaine, doit être poursuivie par tout le monde. Il faut retrouver
des conditions de vie décentes pour les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Ça implique un travail de fond qui est mené, des réflexions profondes et la promotion du dialogue. Ok, ça.